Jésus, acclame Jésus. Bon, le Seigneur soit loué. Tu l'avais appliqué. Vous nous rassoir. Tu n'as fait qu'à wakati adeno. Sommes arrivés au temps de la parole. Na tu n'as secouru Mungu tu as présence. Ya mutumishi wake. Et nous bénissons Dieu pour la présence de son serviteur. Apôtre Oscar Mwenze. L'apôtre Oscar Mwenze. Que tu as na mugeni. Chez nous n'est pas visiteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na tukuna yesimeni yote muzima. Et nous sommes avec lui toute la semaine. Est-ce que tu risques d'appliquer à mutumishi wake? Est-ce que nous pouvons recevoir l'homme de Dieu? Karibu sana papa. Karibu sana. Absolution. Réjouis-toi, acclame Jésus. Bon appétit, Sifa. Le Seigneur soit loué. Sans plus tarder, nous entrons en prière. Nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions, prions. Ce soir, de parler de ta part. Laisse que ton esprit puisse impacter ces cultes et que toi-même tu nous prennes en charge. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ngoa bariki. Oh, je disais quelqu'un soit béni. Likona sema na mtu moya barikiwa. Sois béni, sois béni, sois béni. Barikiwa, barikiwa, barikiwa. Est-ce que tu peux avoir la main si tu es ensemble avec moi? Loweza kutingiza mkono kama uko pamoja nami. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que mon son ne sort pas bien. Naomba kubanitengeneze ko sauti ya kibuyu yangu. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. OK, nous allons passer. Ta Peter. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Amen. Amen. Nous aurons 6 jours de gloire avec le Seigneur. Je sais que vous êtes dans 100 jours de marche avec le Seigneur. Nous prions qu'avec le Saint-Esprit, que nous puissions aller dans une nouvelle dimension ensemble avec vous. Aujourd'hui, comme je vais poser les fondements, je commence déjà par le message. Si on peut nous projeter Esaïe, plutôt Psaume 66. Zaburi mia sita na sita. Le verset 3. Verset 3. Mstari wa 3. Bon, nous lisons la parole. Tunasoma neno. Est-ce qu'on peut lire? Et tu tunaweza kusoma. Psaume 66. Le verset 3. Le troisième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Amen. 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 Dites à Dieu, Semana Mungu, que tes œuvres sont redoutables. Ya kwamba makazi yako inakuya ya ushangao. À cause de la grandeur de ta puissance. Kwa ajili ya ukubwa wa nguvu yako. Tes ennemis te flattent. Na wadui wako wanakupembesha. Les sous-thèmes que je vais durant toute la semaine. Na ashina ndoko ile tasemezea wiki mzima. C'est à cause de la grandeur de ta puissance. Ni kwa ajili ya ukubwa wa uwapo wako.
Je m'excuse. On est rien. Peut-être c'est la soudure. Hein? Amen. Amen. Je disais, à cause de la grandeur de ta puissance, tel sera notre thème. Alléluia. Amen. L'église du temps de la fin devait comprendre une dimension. L'église du temps de la fin, c'est une église puissante. Une église qui devait marcher dans deux dimensions. Le règne et la domination. Ça veut dire l'église du temps de la fin devait dominer et devait régner. Pourquoi? À cause du nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire tout ce qui se nomme, la maladie, le combat, et tous ceux qui ont un nom sont en dessous du nom de Jésus-Christ. Alors Dieu est en train de dire à Jésus, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Pour comprendre qu'il sera difficile à ce que le retour de Jésus soit constaté tant que la domination n'est pas encore totale. L'Église devait intérioriser une dimension que les dieux pour qui vous avez tout laissé, les dieux qui nous rassemblent en ces lieux, c'est un Dieu très puissant. La Bible dit, à cause de la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. Non pas à cause de nos enseignements. Non pas à cause des récitations. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous devions comprendre que nous devions imprimer le mode de vie. Nous devions être la référence. L'Église doit comprendre que Dieu parle de la grandeur de la puissance. L'autre fois quand j'avais prêché, j'avais dit ceci. À cause de notre filiation à Jésus-Christ, de ce que nous appartenons à un Dieu puissant, la Bible déclare, la Bible tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes. Quand tu regardes, un poussin. Quand tu le regardes, tu vois la poule ou bien tu vois le coq. Quand tu vois un pourceau, oui, tu vois le porc. En principe, quand on nous regarde, on devait avoir Dieu. On devait voir Dieu au travers de ce que nous sommes. Dans nos affaires, dans nos projets, et dans tout ce que nous sommes en train de faire. À cause de la grandeur de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Sans la puissance de Dieu, l'Église Kanisa n'a pas sa raison d'être. Aina na sababu ya kuyako. Sans la puissance, bila uwezo, sans la manifestation de la puissance, bila kionesho ya uwezo, il est difficile, iko kugumu, de croire ya kuamini que nous sommes des chrétiens. Ya kwamba tuko wa Kristo. Quelqu'un peut dire avec moi chrétien? Mtu mwana wewe sema chrétien. Quand on parle de chrétiens, ça vient de Christos. Inatoka ku Christos. Ça veut dire quelqu'un, ni kusema mtu, qui est mis à part, mwenye kutiliwa pembeni, ouin, mwenye kupakaliwa, pour être, pour se distinguer des autres. Juu ya kuya mwenye kuachana na wengine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ouin pour se distinguer, mwenye kupakaliwa mafuta juu ya kuya kuishi achanisho. Et chaque fois qu'une personne se distingue, na kila mara mtu anachanishwa na wengine, il y a des signes
et des marques de distinction. Kunakuya ile maalama ya achanisho. Quand quelqu'un devient député, il devient ministre. Wakati mtu anakuya ata mwaziri, anakuya ata ministre. Il y a des dotations. Kunakuya ile banampatia. Que l'État lui donne. Ile serikali inampatia. On peut lui donner des policiers. Banaweza kumpatia wa police, wa polisi. On peut lui donner même des véhicules. Ata banaweza kumpatia pia magari. Pour dire que cette personne il est excellence. Njua kusema huyu mtu anaachana na wengine. Alors dans ce monde, na mui dunia, il existe des dimensions de combat, munakuya matua ya mavita, et des dimensions de confrontation. Na hata ile matua ya mashambulio. Imaginez-vous tu es confronté à ce que j'appelle un combat pharaonique. Na ufikilie unakuya na shambuliwa na ile mvita mimi nasema ya faraoni. Avec un combat pharaonique, na ile vita ya faraoni, nous voyons la résistance, tunaona ile kushimpata, nous voyons l'opposition, tunaona ile mapingano, nous voyons une endurance, na tunaona kuya na moyo mgumu, et le seul langage, na musemo tu moja, que ce monde peut comprendre, ile ulimwengu inaweza kuelewa, c'est la force, ni nguvu, c'est la puissance, ni uwezo. Si tu n'as pas de puissance, kama una uwezo, il n'y a rien, hakuna kitu, que tu peux gagner, unaweza kufu. Il n'y a rien kitu que tu peux faire. Unaweza kufaya. Des gens se posent des questions. Watu wanajiswali. Ils veulent commencer le commerce. Wanapenda kuanza biashara. Ils veulent commencer les affaires. Wanapenda kuanza makazi. Tu te poses des questions. Unajiswali. Comment les autres évoluent? Namna gani wengine wanaendelea? Alors que moi je n'évolue pas. Lakini mimi siendelee. Tu as soumis à une certaine application. Uliweza kujitirisha makanuni fulani. À des offres. Kuma hata makazi fulani. Pour faire un travail. Tu as kufanya kazi fulani. On sanctionne les autres. Na bana beba bengine. Qui ont commencé hier. Wale walianza jana. Alors que toi. Lakini weye. Tu es mis à l'écart. Bana weka pembeni. Mais il faut se demander. Inabidi kujiuliza. Quel type d'énergie tu es en train de dégager. Ni ata nguvu kani ile wewe kunatosha. Parce que une prière. Kwani malombi. Peut ne pas être une prière. Inaweza kuya ina malombi. Si il n'y a pas la force qui accompagne cette prière. Kama hakuna uwezo nguvu fulani ile inashindikiza ile malombi. Je ne sais pas si je suis ensemble avec tout le monde. Siwe kama tuko pamoja sisi wote. La Bible dit à cause de la grandeur de la puissance. Na Biblia inasema kwa ajili ya ukubwa ya uwezo wako. La Bible ne dit pas à cause de la puissance. Biblia inasema tu kwa ajili ya uwezo. Mais il dit à cause de la grandeur de ta puissance. Inasema kwa ajili ya ukubwa ya uwezo wako. Comme pour dire que peu importe l'éloquence que tu as. Maana yake ingekuwa kule kusema unaweza kuya nako. La rétention des versets que tu peux avoir. Hata kushika ma vistari hilo unaweza kushika. Les diplômes que tu peux avoir. Hata masheti hilo unaweza kuwa nayo. L'argent que tu peux avoir. Pesa unaweza kuwa nayo. Si tu n'as pas de la puissance. Kama una uwezo, tu ne peux rien faire. Hauwezi kufanya chochote. Vous savez dernièrement on était confronté à un cas. Na masiku ya nyuma tuweza kuya mbele ya maneno fulani. Quel a été ce cas? Na ile mambo ilikuwa ni mambo kama. Une dame on l'a nommé chef de quartier. Na dada mwa banamutia kama mkubwa wa mkoba. Avec les redevances minières, il y a des compensations qu'on est en train de faire. Na ile mambo ya bulongo kunakuya bile bako nalurisha kama vile pesa kitoko. Les gens de son bureau. Na watu wa mkamu ofisi yake. Les jetent sort. Banamutupia ata mambo mubaya. Quand il faut signer le papier, wakati watapika chapa personne devient paralysé. Na ule mutu atapoza. Si il faut signer le chèque, kama banenda kunjua kupika chapa pa karatasi ya pesa, personne devient paralysé. Na mutu la napoza. On me l'amène à l'église. Bananiletea na kanisa. Quand on commence à prier pour lui, wakati tunaanza kumlombelea, je lui ai demandé de signer. Na muomba apike chapa. Elle commence, elle a signé la première fois. Ana pika chapa mara ya kwanza. Quand il veut signer la deuxième fois, wakati anapenda kuchapa chapa mara ya pili, la main bloque. Na mkono inashamba. Elle était là. Alikuwa pale. Elle ne pouvait pas écrire. Hakuweza kuandika. Pourquoi? Tu as nini? Tout ce qui est visible, yote kunaonekana, n'est pas tout ce qui existe. Aina njo yote kunaishi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pour elle, Juliet, c'était seulement occuper une position. Nikuya tu kushimama fulani. Alors que les autres, na wengine, se sentaient déjà trahis. Walikuwa wanajisikia kusema wanakosewa. Ils veulent l'empêcher à jouir. Banapenda kumzuiza kufurahiwa. À jouir. Ya kufurahiwa.
de son travail. Plusieurs personnes, les chrétiens surtout, ils sont distraits. Ils prient, mais ne bénéficient pas de leur travail. Ce vide de son, faire comme tout le monde. Ils vont à Dubaï, mais ils se retrouvent par terre. Ils vont en Chine, ils se retrouvent par terre. Ils sont dans les entreprises, ils se retrouvent par terre. Un jour j'étais en train de prophétiser sur une dame qui travaille au magasin ici, le Shoprite, le supermarché. Je lui dis, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que tu commences à écrire la demande d'emploi. Il me dit, non papa, je ne crois pas que Mika je t'ai ni chaka. Et je ne crois pas si je peux perdre mon emploi. Parce que les DRH de cette entreprise à Kinshasa, c'est mon ancien, c'est ma soeur. Ni tata yangu. C'est mon frère, bon, c'est quelqu'un de la famille, quelque chose comme ça. Ni mutu mwa mujama kitu mwa vile. Quelques jours après, il y a deux jours, na kunapita masikumbili, quand je passe là-bas, wakati napita kule, j'ai vu cette annonce que Shoprite annonce sa fermeture. Ah, asema hii duka munene bananza kufunga. Alors j'ai compris que c'est difficile. Na ile wa kwa manikigumu. Aujourd'hui le matin, je suis allé, je l'ai trouvé. Na hii asubuhi nilienda na mpata. Il me demande pardon, papa, je n'avais pas cru en ce que tu m'avais annoncé. Asema baba unirehemu, sikuaminie mwile ulinitangazia. Je ne pouvais pas croire que ça pouvait venir de cette manière. Inaweza kufika mwile namuna. Il y a des entreprises, grandes entreprises qui ferment. Kuko makampuni kubwa iko nafunga milango. Parce que le diable veut détruire une destinée. Mchuja bulo anapenda kualabisha ucha ya mtu moya. Tu peux croire que tu n'as pas de valeur, que tu n'as rien. Na unaweza kuaminia kusema hauna na faida, njoo hauna kitu. Mais ta destinée spirituelle pèse tellement. Na ucha yako ya kiro inakuwa na uzito kabisa. Et ce combat peut faire tu travailles dans une entreprise comme MMG. Na una ile vita naweza kufanya unajikuta unatumika mkampuni kama vile MMG. Tu n'es pas directeur. Auna directa. Tu es seulement un agent simple. Unakuya tu mtu wa kazi kama watu wote. Avec un salaire modeste. Na ile mshahara tu ya kuenea. Qui te permet de nouer deux bouts du mois. Inakusaidia wewe kuishi mwezi mzima. Le diable peut faire que l'entreprise puisse avoir seulement des combats avec l'État. On ferme cette entreprise pour que toi qu'on puisse t'enlever. Na diable naweza kufanya tu ile kampuni kwa na matatizo na serikali juu bafunge we upate kusukuku. Et dans des cas comme ça, namuna ya vile, nous avons besoin de la puissance. Tunahitajia uwezo. Et aujourd'hui, na leo, j'aimerais que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Napenda tupate kuishi uwezo ya Mungu. Dans tous les domaines de notre vie. Muma dipande yote ya maisha yetu. Vous savez, dernièrement, il y a des types de combats qu'on était en train de vivre à l'église. Na mashiku wa mkongo tulikuwa na maina fulani ya mavita tulikuwa naishi kanisa. Une sœur quelque part qui travaille quelque part. Dada moya anakuwa anatumika fasi fulani. On lui jette un sort. Wana mtu tekea vitu. Elle a comme l'impression que ses mains ont de la chaleur. Na anashikia kwamba kama vile mikono yake inakuwa na vukutu. Hallelujah. Amina. Elle a de la chaleur. Elle avait du mal à saisir des trucs. Na alikuwa na magumu ya kubamba vitu fulani. Je crois que j'étais à l'église avec le frère Josué. Na mimi nilikuwa kanisa na ndugu Joshua. J'avais demandé aux serviteurs de prier pour lui. Niliomba watumishi wa mombele. Rien n'est changé. Hakuna kitu kilibatirika. Quand je l'ai touché, wakati nimgusa, j'ai senti comme s'il y a eu des transferts au-dedans de moi. Nilisikia kama vile kulikuwa kutambukiziana ndani ya. Mais elle a été guérie. Yeye aliweza kuponeshwa. Heureusement Dieu, Eri Kumungu, nous accompagne toujours avec cette onction. Na anatushindikizaka na ile upako. J'ai senti des malaises. Nilisikia hata kumubaya. Presque une journée. Msiku mzima. Je sentais comme si j'avais des épines. Nilisikia kama vile nilikuwa na miba. Au travers de mes mains et mon bras. Kumikono yangu, kumikono yangu. Parce que je l'avais touché. Kwani nilimgusaka. Pourquoi? Dieu a dit. Parce que le monde. Njoo dunia. Où nous sommes. Mule tuiko, demande inaomba à ce que nous puissions manifester inapenda tuoneshe l'énergie hata ile nguvu au-delà kushindia de ce que nous manifestons ya kile tukunaonesha tukunaonekana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Oui, nous sommes dans la marche de 100 jours. Tunakuya mui safari ya masiku 100. Oui, déjà on a dépassé le cap de 50 jours. Na tunaweza kupita hata katikati ya masiku 100. Rien n'a changé. Hakuna kile kinabadilika. Il faudrait que quelque chose change. Inabidi kitu moja ibadilike. Et pour que les choses puissent changer, na juvitu ibadilike, ça demande que tu prennes une décision de prier autrement. Na inaomba wewe mpango ya kulomba munamuna ingine. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Alors il est important de savoir, na inakuwa ya muhimu ya kujua, que l'église ya kwamba kanisa qui sera enlevée, ile tanyanyuliwa, c'est celle qui sera intronisée de la puissance. Ni kale katashikwa na uwezo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Du coup, pas moja. Je ne suis pas très haut. Sina ju kabisa. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est l'église qui n'est pas hypocrite. Ni ile kanisa ina unafiki. Vous savez, je suis étonné. Na munayo anashangasha sana. L'église au lieu de manifester la puissance. Kanisa japo ya kuonesha uwezo. Nous commençons à courir après les charlatans. Na tunaanza kuenda nyuma ya wapaka madawa. Pour faire tomber les gens. Njoo ya kuangusha watu. Pour prophétiser. Njoo ya kutabiri. Pour remplir les églises. Njoo ya kujama kanisa. Non. Hapana. L'église doit chercher l'esprit de Dieu d'une manière véritable. Kanisa inapasha kutafuta roho ya Mungu mnamna mwa ya ukweli. Tu dois le sentir. Unapasha mshikia. Dans tes affaires, dans tes études. Mu mabiashara yako, mu majifunzo yako. Vous savez, un jour, unashuhudia siku moja. Alors que j'étais encore étudiant. Wakati nilikuwa mwanafunzi. De mes professeurs, mmoja wa walimu yangu, a commencé à faire le voyage astral en plein cours. Anaanza kusafiri mukichawi wakati yuko anatufundisha. Alléluia. Amen. Il est sorti de son corps. Anatoka mumwili yake. Moi aussi je venais d'une prière. Mimi nilikuwa natoka mumalombi fulani. J'ai senti comme si mon esprit commençait à quitter. Nasikia kwamba roho yangu inaanza kutoka. Quand je l'ai vu, wakati nilimuona, il m'a dit toi tu es en train de sommeiller. Asema wewe huko unalala. Qu'est-ce que tu as rêvé? Nini unalota? Dis non monsieur, je n'ai rien vu. Nasema mwalimu shore kitu. Il me dit va dehors. Asema wende nje. Depuis ce jour-là, tangele siku, il commence à me chasser dans son cours. Anaanza kunifukuza mafundisho yake. Mais pour les autres, les gens commencent à me poser des questions. Watu wakaanza kuniswali. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prof? Nini lifanika na mwalimu? Alléluia. Amen. Alors qu'il était en train de nous enseigner, wakati alikuwa anatufundisha, mais il était en train de faire autre chose. Na alikuwa anafanya vitu vingine. Église, vous devez comprendre. Kanisa mnapasha kuelewa. Que Dieu ya kwa Mungu a besoin que nous puissions manifester la puissance. Anapenda, anataka kaka tuoneshe uwezo. Un jour, l'apôtre Paul est en train d'écrire quelque chose d'extraordinaire. Na tusome mtume Paulo anaandika kitu moja mastajabu. Il est en train de dire, yuko anasema, la nature tout entière, ya kusema umbile yote mzima, attend la manifestation des fils de Dieu. Iko na chunga kuonekana kwa wana wa Mungu. Dans ton quartier, mumkoba yako mungu, on a besoin de la manifestation de toi en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Banachunga wo onekane na onesha kwamba uko mwana au binti wa Mungu. Tu dois comprendre na kanisa inapasha kuelewa que la prière ya kwamba malombi n'est pas le dogme, n'est pas une théorie. Aina kama vile misemo tu. La prière malombi c'est une invocation. Inakuya ni kualika Mungu. La prière malombi est une manifestation hors de la nature. Ni ile konekana kwa kushindia ata umbile tunaona. La prière malombi. Même le mariage. Atandoa. Le mariage est facile pour tout le monde. Ndoa iko kepesi kwa watu wote. Mais pour nous les enfants de Dieu. Lakini kwetu sisi watoto wa Mungu. Le mariage, ndoa, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Inakuwa kionesho ya utukufu ya Mungu. Le diplôme, macheti, c'est la manifestation inakuwa ni kionesho de la gloire de Dieu. Ya utukufu wa Mungu. Église, écoutez-moi. Kanisa mnisikie. J'avais voulu nilipenda que nous puissions partager quelque chose. Tupate kugawanya kitu fulani sur la manifestation de la puissance. Njuu ya kuonekana kwa uwezo. Parce que j'ai besoin que nous puissions quitter le théorique. Na kwani nahitajia tutoke mumisemo. Que nous puissions expérimenter la puissance. Lakini tupate kuishi uwezo. Écoutez
la première dimension que la Bible est en train de nous donner. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceci ne sont pas nés de sang et ne sont pas nés de la chair ni moins de la volonté de la chair mais de l'esprit. Dans la logique spirituelle, nous sommes des hommes sans être des hommes. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons maintenant opérer dans ce que j'appelle le surnaturel. Ça veut dire dans cette dimension qui n'est pas la dimension humaine. J'aimerais que nous puissions comprendre une dimension. Pour vous dire que ce qui nous arrive n'est pas nécessairement physique, même si c'est explicable. Alléluia. Amina. Ce qui nous arrive n'est pas nécessairement physique, ya mwili yao ya konekana, même si hata kama c'est explicable. Tunaweza kufasiri yayo. Un jour je suis en train de prier pour quelqu'un. Siku mmoja nilikuwa naombelea mtu mmoja. Et d'emblée, na kwa ghafla, la personne est en train de vomir. Mtu anaanza kutapika. Et après un moment, na kisha wakati fulani, il vomit quelque chose, la personne vomit quelque chose. Mtu anatapika kitu fulani. C'était comme un verre de terre. Mais quand on a regardé comme ça, c'était un serpent. La personne avait un gros ventre. Et après la prière, on a eu l'impression comme le ventre avait comme un ballon qui était dégonflé. Et le lendemain, la maman avait un ventre plat. Na mama alikuwa na tumbo yenye kueneana. On croyait que c'était une grossesse. Watu walikuwa nafikiria kwamba ilikuwa ni uzito au mimba. À l'intérieur il y avait un serpent. Lakini ndani mlikuwa nyoka. Je ne vous raconte pas une histoire d'une autre personne. Ni simifasirie hadithi ya mtu mwingine. Ce que moi j'ai vécu. Ile mimi niliweza kuishi. Moi je n'acceptais jamais. Mimi sikuwa nakubali kamwe. Le truc un crapaud, quelqu'un a vomi un crapaud. Ya kusema mtu anatapika hata chula. Il a vomi quelque chose. Anatapika kitu fulani. Je n'avais jamais accepté ça. Si ya kubaliaka nilikuwa kamwe si ya kubaliaka. Moi je m'étais dit c'est spirituel. Nilikuwa nasema ni akiro. Mais comment ces trucs comme ça peut arriver? Na vitu hivi vinaweza kufika namna gani? Quand c'était arrivé, j'ai vécu ça une seule fois. Na niliweza kuishi ile mara moja. Je n'ai jamais vécu cela. Na siaonaka tena ile. Alléluia. Amen. Mais lakini j'ai compris. Nilielewa que tout ce qui est visible, ya kwamba yote inayoonekana, n'est pas tout ce qui existe. Aina njo yote kunaishi. Mais c'était une vie. Parce qu'à l'époque, quand je faisais les trucs d'électricité, parce que j'étais électricien aux humanités, on m'avait appelé dépanner un moulin dans un moteur de moulin. Le moteur là-bas il chauffait. J'ai ouvert une partie, le couvert qu'on appelait flasque. Quand j'avais ouvert ça, wakati il y avait un serpent. Le serpent n'a pas su le tuer. Pendant ce temps, j'étais encore trop jeune, j'avais 17 ans. Quand on a fermé, wakati walifunga, le moteur, n'a plus chauffé. Imaginez-vous comment le monde des ténèbres est méchant. On peut imposer des trucs. Alléluia. Amen. Dans les corps, mumwili, dans les véhicules, mugari, et puis les choses ne marchent pas. Na vitu avien dembele. Alors pour terminer mon message aujourd'hui, j'avais aimé que nous puissions lire un texte qui va nous conduire dans la prière. Luc chapitre 13. On va lire le 10e verset. Et puis jusqu'au 13e verset.
Écoutez ce que la Bible dit. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, kadiri ya miaka 18, elle était courbée. Alikuwa mwenye kukunja. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Akuweza hata namuna moja kushimama wima. Elle ne pouvait pas se redresser. Akuweza kunyoloka. Lorsque Jésus la vit, wakati Yesu akamuona, Jésus lui adressa la parole. Yesu akasema naye. Et lui dit, femme, akamwambia mke, tu es délivré de ton infirmité. Unafunguliwa na ulema wako. Il lui imposa les mains. Akamutia mkono. À l'instant même, pale pale, elle se redressa. Akashimama mwenye kunyoloka. Et glorifia le Seigneur. Na akatukuza Mungu. C'est ce texte qui va nous conduire dans la prière. Ni hii usomi tatuinisha malombi. Oui, cette femme. Ndiyo huyu mke. Paraissait malade. Alikuwa anaonekana mgonjwa. Paraissait infirme. Alikuwa anaonekana wa ulema. Elle était là, rien ne pouvait marcher. Alikuwa pale kuna kitu kilikuwa na ukoko. Elle-même ne pouvait pas savoir qu'elle a un problème. Hata yeye mnyakuweza kujua kwamba kuna mambo. Je ne sais pas pendant combien de temps. Sijua wakati ngapi. Oui, que cela a commencé. Il est loin de commencer. Pour que ça puisse lui plonger dans l'infirmité. Tu ikamufikishe muulema. Mais la Bible dit. Lakini Biblia nasema. Pendant 18 ans. Kadiri ya miaka 18. Elle ne pouvait pas se relever. Akuweza kunyanyuka. Pendant 18 ans. Elle était devenue inapte. Vous savez, il y a des situations. Il y a des formes que tu peux présenter comme ça. Quand les gens te regardent, on croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez-vous, tu es là. Tu es une femme. Tu vas dans le mariage. Peut-être tu n'avais jamais connu d'homme. Tu arrives là-bas. Tu deviens stérile. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas mettre au monde. Les gens qui ne comprennent pas la dimension, ils peuvent commencer à te juger. Ils peuvent dire, peut-être elle avait beaucoup avorté. Peut-être elle avait fait des choses. C'est pour cela que telles choses lui arrivent. Peut-être son mari avait touché l'histoire. Cette femme était là comme ça. Elle était courbée. 18 ans. 18 ans. Les autres pouvaient dire, elle a la sorcellerie. La médecine a échoué. Elle était là parce qu'un démon s'est infiltré. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est spirituel se manifeste par des manifestations physiques. Même les accidents. On a suivi des témoignages. Des gens qui ont pleuré. Des gens qui ont dit. Certainement cette personne. Quand je l'ai tamponné. Je n'ai pas vu un homme. Je vis un chat qui traversait. Je vis un chat qui traversait. Avec la vitesse que j'avais. Je ne pouvais pas l'éviter. Il fallait seulement passer. J'ai vu, entendu les gens crier. Tu as tué quelqu'un. Quand j'ai regardé, certainement, c'était un homme. On interroge les gens qui étaient dans la voiture. Tout le monde témoigne. On a vu un animal. Cependant, c'était un homme. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme, 18 ans, en train de souffrir. Je ne connais pas ta situation. Elle était là, en train de souffrir sans savoir les causes. Il a fallu que le Seigneur puisse le localiser. Ma prière ce soir, que Dieu localise ta situation et que les choses puissent changer. Ma prière ce soir, et que Dieu localise ta famille et que les choses commencent à marcher. Que Dieu localise tes finances, que
les choses commencent à marcher. Tu viens, que Dieu localise tes projets pour que tu puisses témoigner le Seigneur. Il était là. Elle était là. Elle était dans le temple. Comme toi, tu es venu dans le temple. Tu t'es dit seulement, je vais honorer mon Dieu. Je suis venu chercher sa face. Mais cependant, il y a des choses qui te compliquent. Vous savez, il y a des choses qui nous compliquent tellement. On se dit, peut-être c'est la volonté de Dieu. Cette femme, elle était malade. Elle était infirme. Mais cependant, ce qu'elle souffrait là, ce qu'elle endurait là, ce qu'elle traversait là, n'avait rien de maladie. Bien aimé, alléluia. Ce que tu traverses n'est pas nécessairement physique. Ah, il n'a pas qu'à y accumuler. Oui, j'aimais. Dieu ne l'épende. Quand Jésus a commencé à discuter avec les pharisiens, wakati Yesu alikuwa na sungumuza na wafarisayo, ils ont commencé à reprocher. Wakati walianza kumonesha, ils commencent à reprocher les gens. Walikuwa naonesha watu. Oui, il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Anasema kuko masiku 6 muwiki tu ya kutumika. Venez qu'on puisse vous guérir. Mkuyeni ile masiku bamiponye. Mais les jours comme le dimanche. Na siku kama siku ya enga. Jésus dit hypocrite. Yesu anasema wanafiki. Que vous êtes. Mwe mnakuya. Qui ne détache pas son bétail le dimanche, le sabbat, banyama yake siku ya sabato, pour qu'ils aillent manger. Njuba hende bakakule. Vous savez, le malheur c'est les autres. Na unayua ole ni watu wengine. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. 18 ans. Miaka 18. 18 ans. Miaka 18. J'avais un frère de l'église. Nilikuwa na ndugu kanisa. Ce frère, ulenduku, il a terminé les études. Alimaliza majifunzo yake. Il a fait 8 ans. Alifanya miaka 8. On a prié. Tunaomba. On a prié. Tunaomba. Rien n'est changé. Hakuna kitu kilibadilika. Bakwisha masomo leo. C'est là qu'il termine aujourd'hui. Leo on a pas ta cage. Il trouve de l'emploi. Mais lui ne pouvait rien faire. Ya kuweza kufanya chochote. Il est allé en Afrique du Sud chez son oncle. Alenda ku Afrika Kusini kwa qui avait des entreprises, qui avait des hôtels de guest house. Alikuwa na makampuni, ma hôtel, ma guest house. Rien n'est marché. Hakuna kitu kiliendeka. Un jour on est en train de prier. Siku moja tunaomba. Je vois une vision. Naona onyo. Ce frère il est dans l'eau. Ule nduku alikuwa mumaji. Il est dans l'eau. Et comme maji, il ne meurt pas. Akufwe. Et puis il ne sort pas. Na atsitoke. Il ne meurt pas. Ashikufwe. Il ne sort pas. Lakini atsitoke mumaji. Il n'est pas noyé. Na ashibile. Quand je partageais avec lui. Na wakati niligawanya na. Alors dans la vision là-bas, je me suis vu comme si je priais pour lui. Na mwile onyo nilikuwa naona sasa vile niko namombelea. Je vis comme si il a été submergé mais à Kolwezi. Naona kama vile anafika yulu ya mai lakini ku Kolwezi. Imaginez-vous ce frère il est en Afrique du Sud. Na ule ndoko alikuwa mu Afrika ya Kusini. Alléluia. Amen. Il me pose la question, donc papa, tu me demandes que je puisse rentrer, que j'aille en Afrique, que j'aille à Kolwezi. Anani swali baba unasema nilurie niende Kolwezi. Il me dit ma femme n'acceptera pas. Asema mke wangu atakubali kamwe. Je lui ai dit tant que tu resteras là-bas. Namwambia wakati yote utabaki kule. Rien ne marchera. Hakuna kitu kitaendelea. Le frère a résisté. Nduku alikaza. Alors comme l'entreprise était familiale. Na vile kampuni ilikuwa ya jamaa. Il a commencé à avoir des problèmes avec ses frères. Anaanza kuwa na mamambo na wanduku yake. Jusqu'au jour il a pris la décision. Paka na siku alibeba mpango. Aujourd'hui il est à Kolwezi. Leo ku Kolwezi. Et il a un grand nom. Na anakuwa na jina kubwa. Alléluia. Amen. Pourquoi? Juani. Parce que lui croyait. Kwani yeye alikuwa anaaminia. Que l'Afrique du Sud. Ya kwamba Afrika Kusini. Devait résoudre son problème. Ilipasha kuleta jibu kwa mambo yake. Lui croyait. Yeye alikuwa anaaminia. Que ce qu'il traversait là. Ya kwamba ile alikuwa anaishi. C'était normal. Ilikuwa ya usawa. Vous savez, il y a des gens qui commencent même à critiquer. Ils disent, vous les pentecôtistes, vous avez exagéré. Vous voyez les combats partout. Vous voyez la sorcellerie partout. Mais cependant, il y a des problèmes qui ne viennent pas de la sorcellerie. Oui. Mais cette femme, 18 ans. Lakini uyu muke miaka 18 ans. Miaka 18.
Les autres voient une infirmité, une maladie. Mais le Seigneur lui voit un démon logé dans sa hanche. Tu t'es décidé de faire marche de 100 jours avec l'église. C'est bien. Pas l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'en étant dans le temple, Jésus a localisé cette femme. Tu es là dans le temple. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être fatigué. Il y a des gens, ils sont là. Tellement ils sont fatigués. J'ai vu une personne. Une maman à l'église. Elle avait tellement de problèmes. Dieu lui reprochait des choses. Cette femme là-bas, elle ne comprenait rien. Parce qu'il y a des chrétiens pour un moment difficile. Cette maman, quand elle vient te voir, avec un dossier pour prier pour elle, elle t'explique. Et puis elle te dit, qui c'est qu'on dit? Vous savez, Najua, moi aussi je prie, hein, mina ombaka, avec mon expérience avec Dieu, na mafundi yangu na Mungu, ce n'est pas mépriser ton ministère. Aina kubeula utuma wako. J'ai fait ça. Nilifanya kifulani kifulani. J'ai fait ça. Nilifanya kifulani kifulani. Et puis je suis venu, toi aussi tu pries pour moi. Na kuya kabisa na wewe nyombele. Moi je regarde des gens comme ça. Mina angalia kwa watu wa vile. Je regarde. Na angalia kwa tu. Je parle seulement. Nasema tu. Mon cœur ne prie pas. Parce que toi tu connais déjà Dieu. Tu as déjà le ministère. Tu as l'expérience. Lui aussi te parle. Bon, moi je vais faire quoi? Alléluia. Amen. Moi je regarde seulement. Et sa vie n'a pas changé. Il y a un frère qu'on avait évangélisé, il buvait. On l'a gagné au Seigneur, on l'a délivré. J'ai vu cette maman là qui a vu comment j'ai délivré ses frères. Parce que ses frères, quand il a commencé à avoir deux visions, il a commencé à être derrière ses frères là-bas. Lui aussi il appelait Daddy. Il a fait ses frères là Daddy. J'ai regardé. J'ai dégagé comme Mungu. C'est ma lèvre de Dieu. Et nous bêtises des châteaux. Vraiment, ce sont des jouets. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 100 jours. Masikumia. Est-ce que tu as un objectif? Et tu n'as pas qu'il faut que tu aies. 100 jours. Masikumia moja. Et ça peut changer de dimension. Et tu n'as pas dit que tu as. La Bible dit à cause de la grandeur de ta force ou de ta puissance. Biblia nasema kwa ajili ya ukubwa ya uwezo wako. Oui, cette femme vivait une situation compliquée. Na huyu mke alikuwa anaishi maneno moyo mvuruko. Ta famille vit une situation compliquée. Jamaa yako anaishi maneno moyo mvuruko. Un homme est venu à l'église. Na mtu mwa akakuwa kanisa. Je parlais de ce même temps. Na nilikuwa nasemesha paka ishi. Il me dit papa. Anasema baba. Moi c'est l'ivrognerie. Mie ni ulevi. Quand il venait d'abord il sentait l'odeur. Na wakati alikuwa anafika unasikia harufu. Il dit quand je l'attends. Anasema wakati niko na pesa. Je dilapide tout. Yote napotesha tu. Tout yote dans la boisson. Mon kunwa. Je deviens normal, lucide. Na kuya usawa mwenye akili. Quand je n'ai pas l'argent. Wakati sina na pesa. Il me dit quand j'ai l'argent. Wakati niko na pesa. Même si c'est 5000 francs. Hata kama ni 5000 francs. Il dit c'est comme les personnes que mon cœur est en train de battre. Na shika sa roi kuna pika. Ça bat pou 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 pou. Il kuna pika nguvu nguvu. Pou 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 pou. Il faut seulement que je boive. Inabidi paka ni kunwe. Il y a des gens qui ne boivent pas. Kuko watu hakunwa. Mais quand seulement il a l'argent. Lakini pas de peste. L'esprit le pousse à faire seulement des dépenses. Tu ne bois pas. Tu ne fais rien de mal. Ça veut dire cet esprit te pousse à dépenser même les choses inutiles. Afin de te maintenir dans la pauvreté.
ikubambe paka mu maskini. Un homme voulait Mutuma litaka acheter une parcelle. Kuuza pango. Quand il va acheter une parcelle, wakati anapenda kuuza pango. L'année passée son ami gagne la loterie, il va aller aux États-Unis. Na mwaka inayopita ndugu yake anapata loterie, anaenda kwa États-Unis. Son ami, rafiki yake, il lui donne un véhicule. Anampatia gari. Il lui dit, anasema, j'étais bien avec toi. Na nilikuwa pamoja na wewe mzuri. Je te laisse ce véhicule ici. Na kuachia hii gari comme cadeau. Kama vile zawadi. Savez ce qui s'est passé? Il a témoigné le Seigneur. Anashuhudia Bwana. Mais quelques temps après, kisha wakati fulani, le véhicule on le cogne par derrière. Na ile gari bana ikonga mkongo. Dans l'embouteillage bonne. Na ile embouteillage inarabika. L'autre qui l'avait cogné fuit. Na ule alimkonga na kimbia. Après un moment, kisha wakati fulani, le véhicule a commencé à lui faire des dépenses. Na ile gari inaanza kufanya, anaanza kudepenser makuta. Il a tout dépensé l'argent qu'il pouvait acheter le terrain. Na ana lui croyait que c'est un cadeau. Mais la demande spirituelle on a manipulé. Lakini ya kiroba que c'était les dépenses qui étaient, c'était normal. Na yeye muile makuta alikuwa anatosha ilikuwa ya usawa. Après un temps, kisha wakati fulani, il a remarqué que c'est spirituel. Aliweza kuona kusema ile inakuwa ya kiroho. Quand je commence à prier avec lui, wakati tunaanza kuomba na je lui dis papa ya sasa. Namwambia baba kuku kifulani kifulani. Ya sasa sasa. Kuku kifulani kifulani. On a commencé à prier. Tunaanza kulomba. On prie dans sa maison un jour la nuit. Tunaomba siku moja usiku mnyumba yake. Les démons se manifestent parmi les enfants. Na mandemone naonekana kupitia watoto. Quand vous invoquez les feux. Wakati tulikuwa naita moto. Et de tout ce qui arrive ici. Nasema yote kunafika hapa. C'est nous. Messieurs. Papa ton véhicule ici. Ton véhicule ici, gari yako hii, nous l'avons déjà vendu au monde. Tunesha kuyushisha kulimwengu ya giza. Pour que tu commences à seulement faire les dépenses. Njoo endelee tu kutosha makuta au pesa. Alléluia. Amen. Mais pour lui, il croyait que c'était le pan. Na ye aliona sema ni usawa. Mais spirituellement, lakini mkiro, c'était le dévoreur. Ilikuwa ni wakurarua. Alléluia. Amen. Cette femme croyait qu'elle a un problème de santé. Mais spirituellement, lakini mukiro, c'était tout un problème. Ni mambo ingine. Nous voulons prier. Tunapenda kulomba. Quelle est ta situation? Maneno yako kuna namna gani? Quelle est ta situation? Mambo yako kuna namna gani? J'étais en train de parler un cas aujourd'hui le matin. Nilikuwa na maneno fulani asubuhi ya leo. Un frère qui était un fervent, un des modèles dans ma foi. Na nduku alikuwa na bidii, alikuwa mfano mu imani yangu. On l'a transféré à Kinshasa. Bana mu peleka ku Kinshasa. Dans son travail, Dieu l'a béni, il était élevé. Mukazi yake Mungu alimubariki, ananyanyuliwa kabisa. Le diable l'a tellement manipulé. Jabula aliweza kucheza naye. Il a eu une deuxième femme. Na akachukua mke wa pili. Après un moment, kisha wakati fulani, il a eu une troisième femme. Akabeba bibi watatu. La première femme, na mke wa kwanza. Vous voyez le travail pour les gens qui font les télécoms, ils sont tout le temps mission. On croit qu'il est en mission, quand il est en mission, il est chez l'autre femme. Na wakati yote kama eko msafari ya kazi, kumbi eko kwa mke mwingine. Et l'autre croit qu'il est chez lui. Na mwingine anzalia sema eko kwake. Frère a été perdu. Na nduko akapotea mu vile vitu. Pourquoi le monde est ténèbres? Njoo ya nini ulimwengu ya giza? À cause de la puissance. Kwa ajili ya uwezo, nous pouvons être délivrés. Tunaweza kufunguliwa. Il y a des choses, kuko vitu, qui ne quitteront bitatoka que par la puissance. Kwa paka kupitia uwezo. La Bible dit, Biblia nasema, à cause de la grandeur de ta puissance, kwa ajili ya ukubwa wa uwezo wako, tes ennemis wa adui wako te flatte, wanakuwa chini yako, tes ennemis ma adui yako sont en train de s'incliner, wanakuwa wanainama au devant de ton trône, mbele yako. Oui, j'aimerais ce soir que tu te mettes debout. Napenda jioni usimamie wima. Que tu commences à prier. Uanze kulomba. Que tu dis Seigneur. Useme Bwana. Seigneur. Bwana. Seigneur. Bwana. Les dettes. Quand je parle de dettes, je me rappelle un dossier. Na mandeni, na wakati unasemezea mandeni na kumbuka mambo fulani. Oui, j'étais en train de prier pour un frère. Nilikuwa naombea ndugu fulani. Oui, sa vie était tellement enrouée de dettes. Na maisha yake ilikuwa yenye kufunga na mandeni. Quand on commence à prier, l'esprit se manifeste. Wakati tunaanza kuomba, pepo inaanza kutembea. Il dit tel
qu'on avait fait à son père. C'est comme ça aussi on est en train d'agir dans sa vie. Il ne peut pas s'en sortir. Nous refusons qu'il puisse avoir de bonheur. Sa vie c'était une vie de dette ici qu'on appelle l'intérêt. Ça veut dire lui il prend l'intérêt pour payer un autre dette d'intérêt. Au lieu de terminer le problème, il se retrouve dans des problèmes et des problèmes. Bien aimé mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas évoluer, ils ne savent pas étudier dans leur famille. Parce que leur père, leur famille est prise au piège des dettes. Cette femme, elle croyait que c'était normal. Alors que c'était un problème. On nous entend ce cantique qui va boire là. Banatupachia uimbaji ya kiba buwana. Kiba buwana yo yo yo. Yo yo yo. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, tu es en train de prier. Wakati lwo kunaomba. Quelqu'un dit avec moi mangaribi aleo. Shikushikia sema mangaribi aleo. Mangaribi aleo. Sema tena na nguvu mangaribi aleo. Mangaribi aleo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hakika. Hakika. Uko Bwana. Na mokosi ya maisha yangu, ya maisha yangu. Mangaribi ya leo, mangaribi ya leo. Uwezo yote, uwezo yote. Iko na kombanisha maisha yangu, iko na kombanisha maisha. Iko na kontrole, iko na kontrole. Sante yangu, sante yangu. Finance yangu, finance yangu. Mangaribi ya leo, mangaribi ya leo. Itoke, itoke. Inyachirie, inyachirie. Orade, chef. Orade, chef. Sema mangaribi ya leo, mangaribi ya leo. Uwezo yote, uwezo yote. Iko na kontrole, iko na kontrole. Sehemu yote ya maisha yangu, sehemu yote ya maisha. Ile mirizania kama ni kawaida, ile mirizania kama ni kawaida. Lakini inatoka kwa mapepo, lakini inatoka kwa mapepo. Bulosi na buchawi, bulosi na buchawi. Inyachilie fwashi, inyachilie fwashi. Nifunguliwe, nifunguliwe. Katika jina la Yesu. Huku naomba kuna declare. Sema na itachua uwezo ya Mungu. Monta encore. Monta encore. Dans le nom de Jésus. Ce qui bloque ta promotion. Ce qui bloque ta promotion. Ce qui bloque tes affaires. Ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Ce qui bloque la vie de ma soeur, ce qui bloque la vie de mon frère, ce qui bloque sa famille, ce qui bloque ses études. Nous prions, Seigneur, que ça lâche prise, mais pas cause de vie. Papa, nous prions dans le nom de Jésus. Monte encore.
Avec moi, Mangaribi Aleo. Mangaribi Aleo. Shikushiki et bien, c'est moi, Mangaribi Aleo. Mangaribi Aleo. Mangaribi Aleo. Mangaribi Aleo. Uweso yote. Uweso yote. Aikiri china la Yesu. Aikiri china la Yesu. Mumwili yangu. Munyumba yangu. Munyumba yangu. Itoke. 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 Orade. Yes. Lève ta main droite. Nyanyua mkono yako au mwe. Je vois quelqu'un, Dieu est en train de le guérir. Naona mtu moyo wa Mungu uko namponya. Il a un problème de cœur. Anakuwa na mambo ya roho. Tu sens comme si tu as des fatigues. Unashika kama vile unakuwa na kuchoka. Ferme les yeux là où tu es. Funga macho mali unajikuta. Ferme les yeux que l'esprit de Dieu arrive là où tu es. Na funga macho roho ya Mungu ifike pale wiko. Que l'esprit arrive là où tu es. Roho ifike pale wiko. Que l'esprit arrive là où tu es. Roho ifike pale wiko. Sois libéré maintenant. Nafunguliwa sasa. Oye mpepo ya tension. Toi l'esprit de la de l'hypertension. Acha maisha huyu mama. Libère la vie de cette maman. Nasema acha maisha yake. Je dis libère sa vie. Acha maisha yake. Libère sa vie. Acha maisha yake. Libère sa vie. Acha maisha yake. Libère sa vie. Bakwach. Kontelash. Bakwache. Kontelash. Bakwach. Kontelash. Bakwache. Kontelash. Bakwach. Kontelash. Bakwache. Kontelash. Bakwache. Kontelash. Bakwache. Kontelash. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Que cet esprit. Il peut qui a tué des années. Il fanya miaka. Ça a tué des gens dans ta famille. Il connaît watu mjamaa. Cet esprit d'hypotension. Na hiro hii ya hypotension. Allez, libère la vie de ma sœur. Acha maisha ya dada. Libère la vie de ma sœur. Acha maisha ya dada. Libère la vie de ma sœur. Acha maisha ya dada. Maintenant dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Maintenant dans le nom de Jésus. Sasa hivi mujina la Yesu. Je prie pour cette femme. Naomba juu ya huyu mke. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. Cette femme qui fait des affaires. Huyu mama anafanya kazi. Tu as beaucoup tenté. Uliweza kupiga sana. Bien ne marche. Hakuna kile kinaoko. Aujourd'hui voici Jésus. Na leo Yesu. Est en train de libérer tes mains. Eko nafungula mikono yako. Maintenant. Sasa hivi. Reçois l'onction pour les affaires. Pokea upako juu ya biashara. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Tel que tu es, je ne sais pas quel esprit est en train de t'accompagner. Aka vile uko pale sio roka ni pepo kani una kushindikiza. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Tout esprit qui t'accompagnait négativement. Ile roho mbaya ilikuwa nakushindikiza sans le savoir. Bila wewe kujua. Puisse libérer ta vie. Ache maisha yako. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Nous disons amen. Amen. Nous avons introduit aujourd'hui. Tuliweza kuingi kuleta kingiririo leo. Nous allons continuer demain. Na tutaendelea kesho. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Croyons que demain nous serons là à temps. Na kesho tunazania tutafika mbele ya wakati. Par la grâce de Dieu. Pitia neema ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Kibawa na yo yo yo. Yo yo yo. Kibawa na yo yo yo. Yo yo yo. Jésus. Acclame Jésus. Dieu bénisse. Amen. Amen. Tu n'as fait qu'à sommes arrivés à la fin. Tu
Sors avec toute la bénédiction d'aujourd'hui. Sors avec toute la bénédiction d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Demain nous continuons ensemble avec l'apôtre Oscar. Dans ce marathon, dans cette prière, ne suis pas le mouvement des autres. Toi-même, tu connais ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'imite personne. Si ton ami s'absente, toi, présente-toi. Bon après, le Seigneur soit loué. Tu n'as pas ma matériel, nous avons dit que tout le matériel que nous avons demandé hier, on a pas payé une partie. Nous avons reçu une partie. Mais il y a la zima zaidi ni ima malata barenda kukunja yote inafika. Et ce qui était important, ce sont les tôles qu'on devait plier et nous les avons toutes. Et nos frères, depuis le matin, ils sont en train de travailler. Mais on a combattu pour que, si possible, quelque chose après, quelque chose plus tard,